Voilà, bonjour à tous. Eh bien, voilà, il est 12h34 minutes dans le ZCL. On va démarrer tout de suite. Je vous signale que nous sommes vendredi, nous sommes le 5, nous sommes en direct de RHT Radio Haute Tension, mais aussi en direct de C10 FM avec nos amis de ces deux radios. Aujourd'hui, vendredi, comme chaque vendredi, nous recevons une personnalité qui peut être politique, syndicale ou culturelle. Aujourd'hui, elle est syndicale. Il s'agit d'Élie Domota qui sera avec nous dans un instant, le temps qu'il se débrouille pour sortir des embouteillages où il est en ce moment à Jarry, puisque vous savez, vendredi à Jarry, c'est l'enfer. Un peu plus tard, nous allons recevoir un historien. Il s'agit de Raymond Gama. Raymond Gama qui vient de sortir un hyper ouvrage, qui a pesé lourd, évolution d'un grand domaine sucrier dans la Caraïbe, 18e au 20e siècle. Et ce n'est que le tome 1 de cet ouvrage qui vient de sortir. On parle du Nord Grande Terre avec lui. Et puis, bien sûr, nous aurons la chronique tourisme et croisière avec Elisabeth Adélaïde qui sera avec nous aux environs de 13h30. Mais avant, on va saluer Marie-France Gougeot. Bonjour. Bonjour. Etna. Et on va saluer Keïssa. Bonjour. Bonjour, Nani. Qui va nous dire tout de suite de quoi est fait l'actualité de ce jour. On va parler de carnaval, puisque comme vous le savez tous, nous rentrons en période carnavalesque. Nous connaissons tous bien cette période, mais en savez-vous davantage? Connaissez-vous les origines du carnaval ou encore d'où nous vient cette culture? Eh bien, c'est pour toutes ces raisons que nous sommes allés vers vous afin de connaître les réponses des Guadeloupéens à ce sujet. Voyons le reportage. Oui, bien sûr, hein, ça sort depuis les Arawak, depuis les tambours à l'ancienne, et bon, on a gardé la culture, et bon, voilà quoi. Il y a le gros cas, il y a nos rythmes, nous-mêmes qu'on a en Guadeloupe, et bon, on aime ça le carnaval, c'est pas notre faute parce que la musique est dans notre sang. Je trouve qu'on est plus branché maintenant, on tire plus vers celui du Brésil, on essaie de plus de ressembler au carnaval du Brésil. Je trouve que, qu'elle soit belle ou moche, c'est l'histoire, et c'est bien qu'on ait réussi à transformer ça en quelque chose de heureux et de positif. Tous les groupes, tous leurs groupes, hein. Je suis groupe à peau, mais tous leurs groupes. Dès que tu crées une musique balade universelle, ça va, ça me plaît. Je trouve pour moi c'est une bonne chose pour la Guadeloupe. Donc vous êtes quelqu'un qui aimait le carnaval? Si, j'ai toujours participé, bon, j'ai toujours... Sincèrement, je le prends plutôt comme un amusement. Mais c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui va trop souvent au carnaval. Je le regarde par plaisir parce que j'aime la musique, j'aime danser, mais sans vraiment penser effectivement à d'où ça vient. Et c'est la première fois que j'entends ce que vous me dites. Ben oui, c'est couleur, c'est pour moi, c'est bordel. Donc c'est un truc depuis longtemps, donc ouais. Bon, ils disent ce qu'ils veulent, mais je sais que nous, on a nos racines, même qu'on a nos coups de tambour qu'on faisait, même bien avant les Européens, ce qu'ils disent. Et bon, on garde, on continue, hein. Même s'ils disent ça, bon, qu'ils viennent au carnaval avec nous. Bien, et bonne année. Et en ce début d'année 2018, pourquoi pas faire un bon acte, pourquoi pas faire un don? Si vous voulez faire un geste, vous pouvez, qui sait, même sauver une vie. Et bien, si faire un don de sang vous intéresse, le FS se trouve aujourd'hui à Bergevin, face à la gare routière. Une collation vous sera offerte. Voyons le reportage. Au nom de toute l'équipe de prélèvement, nous souhaitons une bonne et heureuse année 2018. Et pour nous, bien sûr, une année riche en dons. Alors, nous comptons sur vous pour cette année. Nous avons besoin de poches de sang tous les jours, hein, donc à peu près entre 30 et 50 poches par jour. Nous faisons aussi des prélèvements de plaquettes, donc pour nos donneurs de plaquettes, nous comptons sur eux pour cette année 2018. Nous avons fait à peu près 450 prélèvements de plaquettes l'année dernière, c'était déjà très bien et nous souhaitons encore augmenter cette année. Voilà, l'établissement français du sang est ouvert les lundis, mercredis, vendredis de 8h à 15h30, sans rendez-vous pour les dons du sang, sur rendez-vous pour les dons de plaquettes. Et vous savez que nous avons aussi des collectes mobiles dans toute la Guadeloupe. Donc pour avoir le calendrier des collectes, vous pouvez regarder la page Facebook de l'EFS Guadeloupe, EFS 971, ou le site internet. Voilà, nous comptons sur vous et nous vous souhaitons vraiment une année très très heureuse et très riche en dons. Au moment du don du sang, donc l'infirmière contrôle ce qu'on appelle l'hémoglobine pré-don. C'est une petite goutte de sang que l'on prélève au bout du doigt et qui permet donc de mesurer le taux d'hémoglobine. Pour les femmes, il faut que ce taux soit supérieur à 12 grammes et pour les hommes, supérieur à 13 grammes. Et le ZCL, ça continue. On continue avec l'interview avec Élie Domota et Danick.
Merci donc à Keïssa. Je vous l'ai dit, on recevait aujourd'hui, en ce début d'année, Elie Doumouta. Elie Doumouta, qui est le secrétaire général de l'UGTG, il est aussi toujours d'ailleurs le porte-parole du LKP. C'est en ce sens que c'est intéressant en ce début d'année de faire avec lui un petit peu le bilan de l'année qui vient de s'écouler et de voir un peu les perspectives de son organisation, l'UGTG, pour l'année 2018. Mais avant, comme toujours dans cette émission, Marie-France Goujouadna, la biographie de Elie Doumouta. Absolument. Donc, Elie Doumouta, vous êtes née en 1967 à Saint-Claude. Votre maman était employée de cantine, votre papa charpentier. Vous êtes née dans une fratrie de 6 enfants, dans le quartier de Bas-du-Bourg. Alors, Bas-du-Bourg, c'est un quartier populaire et inévitablement, cet environnement aura forgé vos engagements futurs. À cette époque, vous fréquentez une association qui s'appelle les Jeunesses Ouvrières Chrétiennes. Et vous dites que c'est grâce à cette association, notamment, que beaucoup d'activités étaient proposées aux jeunes. Vous dites que ce quartier de Bas-du-Bourg était un quartier difficile, et notamment le rôle des aînés était s'occuper des cadets. Et ça a été exactement le rôle de votre grand frère qui vous a emmené à peu près partout avec lui. Or, votre grand frère était déjà un militant confirmé. Ensuite, vous partez avec votre famille à Pointe-Noire. Vous revenez à Basse-Terre, à Circonvallation. Vous intégrez le lycée Gerville-Réache. Et là, vous appartenez à une autre association militante qui est l'Union nationale des élèves et étudiants guadeloupéens. Puis, il vous faut partir à Limoges. Alors, Limoges, évidemment, au cœur de la France, c'était surtout à l'époque un peu isolé. Et là, là-bas, quand vous arrivez, vous avez cette envie, effectivement, d'aider vos compatriotes. Donc, vous créez une autre association, l'Association générale des étudiants antillo-guyanais. L'idée de cette association, c'est justement de permettre aux autres Antillais, en arrivant à Limoges, de se sentir plus à l'aise. Alors, à Limoges, vous dites que cette période-là est très particulière parce que c'est la première fois de votre vie que vous quittiez votre famille et votre île, mais que vous êtes fait des amis qui le sont toujours aujourd'hui. Vous avez obtenu 3 diplômes, un diplôme en gestion, un diplôme en droit d'urbanisme et un diplôme en administration des entreprises. Vous repartez ensuite, dès que vous avez obtenu vos diplômes, vous repartez en Guadeloupe parce que vous avez envie de rentrer. Nous sommes en 91, alors quand vous rentrez, vous ne trouvez pas facilement un travail. Vous commencez par être formateur, ensuite vous travaillez dans une agence immobilière à la Marina de Bas-du-Fort, et enfin vous passez le concours de la NPE que vous obtenez. Donc vous devenez conseiller de l'emploi à la NPE. Nous sommes en 93, et vous êtes d'ailleurs toujours cadre à la NPE. À peine avez-vous intégré donc cette structure, que vous syndiquez et vous syndiquez à l'UGTG. Pourquoi ? Parce que pour vous, ce syndicat correspond déjà à vos affinités. C'est la défense des droits et des intérêts des travailleurs guadeloupéens et plus globalement la défense du peuple guadeloupéen. 25 ans plus tard, l'UGTG correspond toujours à vos valeurs et vous en êtes d'ailleurs le secrétaire général. En 2009, donc c'est le LKP. En 2009, en fait, c'est un peu le LKP vous révèle au grand public. Et notamment, lors de la première rencontre des négociations au WTC, c'est retransmis à la télévision. Et là, on découvre un homme extrêmement brillant dans la présentation, dans vos argumentaires. Et là, vous devenez, entre guillemets, le chouchou des Guadeloupéens, Elie Doumouta. Et depuis, vous le restez. Mais vous dites sur le LKP, finalement, que lorsque c'est arrivé en 2009, il n'y avait aucune programmation. Et pour vous, en tout cas, pour votre carrière syndicale, et en fait vous êtes devenu porte-parole, j'allais dire, par circonstance. À la question « Quels sont les moments de votre vie les plus importants ?», et vous répondez « Je ne vois pas la vie comme étant une succession de hauts et de bas. Je vois la vie dans la régularité, sans période particulière marquée d'une croix blanche, car l'aboutissement de tout cela reste l'émancipation du peuple guadeloupéen, et nous n'y sommes pas encore. » À la question traditionnelle « Quel est votre meilleur souvenir ?», vous répondez « Celui d'être sur Terre. » Votre plus mauvais souvenir, vous n'en avez pas, chanceux. La plus grande qualité chez un être humain, quelle est-elle ? Eh bien, c'est celle de prendre soin de ceux qui sont en difficulté. Le plus grand des défauts, c'est l'indifférence à la détresse des autres. Une autre question, si vous deviez faire le tour de la planète et n'emmener qu'un seul objet dans vos bagages, vous répondez, je n'emmènerai aucun objet, car dès que je pars de la Guadeloupe, mon seul souci est de revenir au plus vite. Et enfin, pour tous ceux qui auraient voulu en savoir un peu plus sur votre vie privée, eh bien, ils resteront sur leur faim. Car à cette question, vous m'avez dit que vous ne souhaitez pas donner d'informations. La seule indiscrétion que j'ai obtenue d'Elie Doumouta, c'est quand il est un peu énervé, il prend sa casquette d'agriculteur et il va planter des ignames. Voilà. Alors, je retiens quelque chose qui n'a pas été dit. Et je vais poser la première question à Elie Doumouta, que je salue. Bonjour, Elie. Bonjour. Adam, tout ça, il n'y a pas entendu parler de sport, pas de sport, pas de sport même. Si, il m'a dit moins ça, mais en fait, c'est moins sport. L'antépipiti a fait en l'eau, l'athlétisme. Il manquait une fois. Ah, il manquait une fois. Ouais.
on fait athlétisme ouais, pendant bon et puis l'année après on joue au football. Oui, au football et quand il est là on continue on souhaite. On souhaite tous les jours pour Kembekola. Bien ça. Alors, nous avons commencé à l'envers, parce que nous commençons par l'année passée. Sentiment moi en tant que journaliste, c'est que l'année passée, par rapport à d'autres années, j'étais mené moins ce combat, on sentit moins de puissance dans ces mouvements-là. Est-ce qu'il y a un affaiblissement ou bien est-ce que c'est que tout problème qui a réglé un pays-là qui fait non, qu'il y a moins de grève? L'année 2017, c'est une année très particulière. C'était un lot, indécision. Nous n'avons pas gagné ce qui a passé. Parce que c'était une élection présidentielle à Français, elle est arrivée à Macron. Tout de suite, il a annoncé les ordonnances sur la loi travail. C'était en même 10 ans. Fin à Reina Hollande avec les lois El Khomri, Rebsamen et la loi travail, tout ça. Donc, c'est une période très particulière où nous-mêmes, t'es qu'à guider, mais qu'est-ce qui a passé? Et jusqu'à Kounia, avec les lois Rebsamen, Macron, Khomri et les ordonnances travail, où nous avons confusion très, très, très grande au niveau du code du travail même. Ce qui fait que c'est ça, on a pensé, qui a pu faire que les organisations t'es qu'à observer en qui genre les choses qui ont évolué. Avant que nous t'ayons passé à l'offensive. Alors, pour en rester sur 2017, en janvier 2017, vous aviez écrit à l'époque à la ministre des Outre-mer sur le fameux chantier du CHU, en expliquant que justement, il ne fallait pas laisser les ouvriers guadeloupéens sur le carreau, ni les entreprises guadeloupéennes. On a vu très récemment qu'il y a eu l'obligation de faire une nouvelle réunion. Est-ce que ça sous-entend que vous n'avez pas été entendu ? Du tout. Pas de réponse. Aucune réponse du ministère de l'Outre-mer. Nous recevrons en réponse du ministère de la Santé. Il dit nous qu'ils transmettent doléances à nous à l'ARS et que l'ARS qui répond nous. Nous écrit l'ARS pas jamais répond nous. Nous écrit Mamborel Nincertain en tant que président du conseil général et en tant que président du conseil de surveillance du CHU. Pas de réponse. Nous écrit tous les députés, tous les sénateurs. Seul qui répond nous, c'est l'IREL. C'est l'IREL voyant mail ban nous, dit nous qu'il a partagé préoccupation à nous. Nous écrivons direction ACHU, là, pas de réponse. En fin de compte, pour nous ne pas répondre, nous, sauf Jalton, Chalus, Evelirel. Alors que son situation qui est extrêmement grave. Et nous avons une initiative de fait ces demandes d'entretien là, ça. Suite à ça, nous avons été faites à l'opérature après moi. C'est une entreprise italienne qui vient. Et il vient avec des salariés portugais. Nous voyons au centre EDF Ajari, c'est une entreprise espagnole qui vient avec des salariés espagnols. Et au centre gérontologique à Pointe d'Or, c'est une entreprise italienne qui vient avec des salariés italiens et des salariés portugais. Et donc, nous t'ai dit, mais quand même, c'est de l'investissement public, c'est de l'argent public, c'est de l'argent le ministère de la Santé. Donc, l'argent public, il faut absolument de faire en sorte qu'à travers les clauses sociales et à travers montage à cahier des charges à ces marchés-là, ça, que travailleurs Guadeloupe travaillent, que travailleurs Guadeloupe formés. Et que dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, que qui les entreprises, qui Pôle emploi, qui la mission locale, qui Guadeloupe Formation, tout le monde qui n'y a habité à dire au niveau de l'emploi et la formation, capable d'élaborer des dispositifs de formation pour permettre Guadeloupéens d'être formés et que les entreprises Guadeloupe d'être à la hauteur de tels enjeux économiques. Et visiblement, l'autre jour, là, nous participer à la réunion là, nous avons l'impression que nous avons une espèce de balle masquée, tout le monde a joué à l'étonner, alors qu'à un moment ou un autre, tout le monde participe à l'élaboration en cahier des charges là. Donc c'est pour ça que nous avons dit ça qui est arrivé là. Ce n'est pas du tout de la fatalité, ce n'est pas la méconnaissance du code des marchés publics, ce n'est pas la connaissance de la situation économique et sociale que nous avons dans, c'est une volonté manifeste de fait que de laisser nous dans des situations pas possibles. Des situations d'assistanat, de mendicité, d'exclusion, et après pour peut légitimer que bon, Guadeloupéen pas ça fait rien, et que Guadeloupéen seul butin, ça fait c'est carnaval et veille à la rue. Et... Oui, alors effectivement, mais ce n'est pas la première fois, il est de mon temps que vous êtes déçu, puisque si on revient à l'époque du LKP, les accords qui avaient été signés en mars 2009, en fait, vous les avez, en fait, après vous avez dénoncé le fait que aussi bien Nicolas Sarkozy que François Hollande n'avaient pas respecté leur engagement, mais que localement, nos élus locaux ne les avaient pas respectés alors, non plus. Ce n'est pas de la déception, hein. C'est un constat que nous avons fait sur la gestion de l'eau. Nous attendons tout le monde qui a parlé de la gestion de l'eau tous ces jours-là, ça. Mais il n'y a des accords qui sont signés par les représentants de l'État, les représentants région, conseil général sur la gestion de l'eau, sur notamment la création d'une structure unique de production de distribution de l'eau. Alors nous attendons l'eau, mon cater, j'y vais aussi qu'à parler, mais il n'y a des accords qui sont pris. Sur l'insertion et la formation de la jeunesse, il n'y a des accords qui sont pris. Donc en final de compte, constat que nous avons fait,
c'est qu'il y a une volonté politique à faire en sorte que nous restions derrière. Alors, en tout cas, discuter avec des trois jeunes ces jours-là, Sam, des jeunes qui ont fait études ailleurs au Canada. Ils savent que jeudi là, le gouvernement canadien a cherché à repeupler le pays ailleurs. Donc, ils ont cherché, notamment en Guadeloupe, hein, de jeunes pour faire passer des diplômes au Canada et pour installer au Canada. Donc, jeudi là, tous les jeunes nous ont parti à l'étranger. La Guadeloupe, c'est la deuxième, deuxième territoire d'installation des métropolitains qu'on y a, hein, après la Réunion. Alors, sous prétexte que pas en Guadeloupe, tout le monde a parti. C'est les dérives sociales, c'est l'exclusion, c'est l'insécurité. Tout le jeune n'a pas parti. Et puis, pitié à pitié, nous avons vu une espèce de colonie de vieux monde et de rouillon. C'est ça, il dit, nous, à l'horizon 2030-2040, nous sommes la région la plus. La plus vieille de France, c'est ça, yo dit nous. Donc, à un pays normal, quand on a fait, on va mettre en place une politique de natalité. Et politique de natalité, là, il est obligatoirement couplé avec une politique de développement économique et social. Mais si on n'a pas une perspective de développement économique et social, on n'a pas créé foyer, on n'a pas créé monde. Donc, toutes ces bitins-là, ça lié. Et donc, l'autre jour, l'un temps réunion, là, vers la région, le département, nous étions très surpris parce que nous avons l'impression que nous tombions à l'autre côté, que tout le monde est surpris de cette situation-là et que le préfet là même, alors le préfet là peut-être il jouait hypocritement aux étonnés, mais le préfet là même a dit moi, il n'a pas compris dans qui j'en appelle de flas à monter. En France, ça n'a pas comme ça qu'il a été fait. Il a été fait en sorte que tu n'y bien en avant des discussions qui faites pour entreprise Guadeloupe et travailler Guadeloupe, t'es formé et t'es travaillé. Donc nous avons bien rendu compte. Au-delà de peut-être les problèmes d'ignorance et d'incompétence, il y a une réelle volonté de fondre à Guadeloupéens, y compris par des Guadeloupéens qui ont tête à des structures. Hein. Alors là, Éric de Moutan nous a fait bilan presque 10 ans après le CAP, nous avons Marie-François aussi dit ça, il y a un lot d'accords qui était prévu, qui était soi-disant signé, qui n'est pas appliqué, on va même pas parler de l'accord Binot, mais là, en général, et nous avons retrouvé nous presque dans la même situation là, 10 ans après. Tout à fait. Après, tout à fait. Tout à fait. Vous savez, l'autre jour, le préfet là vient dire comme ça que, en grosso modo, entre guillemets, que place en nous aux assises aussi. D'accord. Le chef m'a dit qu'on ne peut pas comprendre à qui bien ça a servi. Je dis là, mon qui a fait la promotion des assises. Hier, nous recevons un courrier de qui nous a fait encore les avocats là, de l'ordre des avocats. L'ordre des avocats qui caille fait, va faire pas l'ordre des avocats, le en fait, collectif. Le barreau, chef à le barreau, c'est qui nous a ça encore? Oui, mais c'est le droit. Le bâtonnier. Voilà. Bâtonnier. Le bâtonnier qui a invité nous à une réunion sur la gestion de l'eau. Ouais. Nous bien savons que son réunion télécommandée par le gouvernement français pour prévoir un petit genre, il y aura mis ton bitin dans les assises. Ouais. Encore une fois, c'est pour couillonner le monde. Position en nous très simple en laissant, hein. Ni en accord. En nous travaillons ici encore là, si métier mérite actualiser, en nous actualiser, mais en nous respectez-nous. En nous respectez-nous. Et la main sur le cœur, nous pas ni la prétention de ni la science infuse, mais si, qui le conseil général, qui le conseil régional, qui l'État, qui respecte l'engagement à Iowa dans le protocole LKP, nous pas t'es en situation là, ça je dis là. Nous t'es dans une situation meilleure ou nettement moins mauvaise que nous y là. Qui a un problème de déchets, qui a un problème de protection des terres agricoles, qui a une question de l'éducation, de l'insertion, de la formation, qui au niveau du développement économique et social. Il n'y a pas rien respecté l'engagement. C'est pour ça que, pas ni déception, ni simplement confirmation à un constat, c'est un véritable complot qui montait pour faire nous disparaître. Ça, c'est pour nous, ça très clair. Donc, c'est pour ça qu'à notre dernier congrès, en avril dernier, au niveau du GTG, nous réaffirmons attachement à nous au principe du droit des peuples à disposer de eux-mêmes et à la dépendance nationale et à la pleine souveraineté. Pour nous, pas ni possibilité d'amélioration à vie en nous à dans le cadre de la République française. Non. Là, on prend tous les constats. On prend un exemple très simple. Hier, nous allons recevoir un mail de la préfecture concernant un avis que nous n'y abaillons sur une convention sur le décrochage scolaire qui a fait entre l'État, le rectorat, la région, concernant les chaises scolaires des jeunes. Parce que chaque année, c'est pratiquement 1300 à 1500 jeunes qui ont quitté le système scolaire sans qualification, sans diplôme. Et là, il n'y a pas dit non comme ça, de bailler en avis. Au plus tard, le 9, sinon, il y a réputé que nous baillons en avis favorable. Alors, moi, quand il voyait un courrier, il m'a dit,
L'autre jour, mon Pénico vini. Ils ont fait une réunion exceptionnelle en urgence pour montrer mon Pénico comme quoi le CRIFOP a réuni. Là, voilà un sujet qui est réel, qui est très grave. Ils n'ont pas qu'à faire débat, ils n'ont pas qu'à faire réunion, ils n'ont pas dit qu'ils devaient à via yo et ils n'ont pas signé convention là. Et en convention, ils prévoient des mesures pour le décrochage scolaire, le SMA, l'école de la deuxième chance, etc. Mais à qui moment nous allons lancer une réflexion sur les causes de l'échec scolaire? À qui moment nous allons lancer une réflexion sur les problèmes sociaux, les problèmes économiques et sociaux qui ont mené à l'exclusion, à la pauvreté, à la misère? À qui moment nous allons lancer une réflexion sur la réussite scolaire, sur le contenu pédagogique, sur la manière d'enseigner et d'apprendre aujourd'hui là en Guadeloupe? Qui tout ça à l'origine des échecs là. Donc c'est pour ça que nous avons dit très clairement, nous pas dupes, nous pas naïfs, avec expérience que nous accumulée pendant des dizaines et des dizaines de l'année, aujourd'hui là, nous avons dit et nous avons réaffirmé toutes les politiques publiques qui mettent en œuvre en Guadeloupe, pas qu'ayant sens à développement économique et social à Guadeloupe, pas qu'ayant sens à développement à jeunesse Guadeloupe, mais qu'amène nous au mur. C'est pour ça, plus que jamais, décolonisation, souveraineté nationale et indépendance nationale. Alors, il y a deux ans, dans une interview, vous aviez déclaré « Si on veut le vivre ensemble ait un sens dans ce pays, il faut qu'une fois pour toutes, tout le monde accepte de s'asseoir autour d'une table pour parler de la répartition des richesses. » Ça sous-entend en fait qu'on peut très bien ici, toutes les communautés peuvent vivre ensemble, à condition effectivement d'une meilleure répartition. C'est ça l'idée ? Non, c'est à pas question de communauté. Nous, toutes ces Guadeloupéens, nous pas diviser nous en communautés, mais ça nous veut dire par là. C'est que les nous, l'UGTG, EVLKP, EVCOS, l'association des agriculteurs de Daubain, EVL, la Fondation France Fanon, nous déposer une question préalable de constitutionnalité devant le parquet de Pointe-à-Pitre. Concernant l'article 5 du décret de 1848, qui était qu'à prévoir, en article 1er, que l'abolition de l'esclavage, mais en article 5, a dit que il faut indemniser pour une loi à l'Assemblée nationale pour indemniser les propriétaires d'esclaves. Et en 1849, il faut prendre une loi qui a indemnisé les propriétaires d'esclaves, qui a baillé l'argent pendant 20 ans. Nous avons dit aussi réellement, Zové, que nous vivons ensemble, assis en territoire, et que nous tous reconnaissons nous comme étant des êtres humains, à nous refaire une mise en état. Et à nous reconnaître qu'il n'y a pas de pacaille. La société post-esclavagiste, après 1848, c'est une photocopie à la société esclavagiste. C'est une photocopie. Et en fin de compte, l'abolition de l'esclavage, c'était un leurre politique pour te cacher en réalité économique. En final de compte, maître la veille, propriétaire d'entreprise le lendemain, esclave la veille, salarié précaire le lendemain. Et nous continuons les mêmes organisations en société là. Donc si véritablement le vivre ensemble n'y a sens, à nous parler de remise en état et à nous parler de nouvelles répartitions des richesses pour que les Okaya dans un bureau climatisé à la préfecture ou bien dans une grande entreprise, ou pas vrai un qui mouna pour clair ou un qui blanc, que les Okaya dans ces bureaux là, ça, eh bien c'est qu'on le va marcher ou pas vrai toute qualité monde qui est ici dedans. Mais c'est ça qui la société guadeloupéenne. Or, dans la réalité, je dis là, ce n'est pas le cas. Hein. Et nous, quand vous voyez, là, il y a fait des réunions, mais le plus bel même, ça, dans le tribunal là, hein. Là, on est en tribunal là, ça rigolo. Procureur la blanc, si juge la blanc, tout le monde là en face blanc, le prévenu noir et avocat le prévenu noir. Mm. Une impression qu'on n'est pas en Guadeloupe. Donc, il y a un problème. S'il y a un problème, et problème là, c'est à un certain moment, faut nous voir en face problème là, ça. Tout à fait. Alors, il nous a fait nous, puisqu'on va dans la politique là, mais avant ça, en TV, ou Vinci Bouin, assis, CHU, tout à l'heure, nous parlait d'appel d'offres là, mais nous, souvent, ici, à plusieurs reprises, mon UTS, que vous connaissez bien, Gabi Clavier, d'autres monde, mon marathon, et d'après ça, il a expliqué nous, ça qui est arrivé là, au CHU, peut-être ça t'est peut-être évité. Si vous t'écoutez, vous. Ah oui, vous savez, ça t'est peut-être beaucoup plus grave. Mais là, on y a des audits. Et d'ailleurs, le préfet là, pas ça, vous avez remarqué ça, mais le préfet là, très, très, très prudent. Hein? Même après les dernières recommandations où la direction ACHU l'a dit qu'il y a eu que mettre des vigiles pour pallier au manque de structure, de sécurité, tout ça, le préfet là, pour Jean Bayaval, hein? Il pour Jean valider, le préfet là, lui, il est très, très prudent, là, ça, parce que le préfet là savent que, jeudi là, la tour sud. La plus endommagée, la tour sud, grand bâtiment à 9 étages là, il n'est pas en mesure de recevoir ni les usagers, ni le personnel. Il n'est pas qu'à répondre
aux normes de sécurité de base. Préfet là savent ça. Donc c'est pour ça que préfet là, il a posé une question là l'autre jour. Il bat marche arrière, il ne peut pas répondre concrètement à la question là. Ça veut dire qu'il bien. Ça veut dire depuis des années, les camarades posaient question à la salubrité. Ni des rapports qui fait successivement qui a posé les problèmes de sécurité dans l'hôpital là. Et bien évidemment, au nom de la mutualisation et des restrictions budgétaires, ils ont balayé ça, ils ont balayé ça. Et je dis là, ça est arrivé là, pour moi, on ne peut pas dire que ça était imprévisible. Ça était prévisible, pardon, ça était prévisible. Là, on a roulé sans permis et on a boire. Ou qui fait un accident un jour, et pas dit après ses chances ou pas tenir, parce qu'on n'a pas pris les précautions qui étaient faux. Eh bien, si ça est arrivé en CHU là, ça était largement évitable. Si vous écoutez le personnel et si vous mettez en œuvre les différents audits qui étaient à mettre en place. Et vous savez, ça très curieux. L'autre jour, j'ouvrais les différents pannes que la SNCF tapait, qui à mon part on a servi dans d'autres gares. J'ouvrais ballon ministre là, j'ai convoqué direct à la SNCF et ni des trois têtes qui j'ai tombé. Mais ici, dans, il y a un CHU qui brûlait et des centaines d'usagers évacués, ni ça certainement qui j'agis, moi, je pas dit non rien, parce qu'à notre transfert là, ça n'y a le monde qui tapait des chocs et qui part, qui certainement pas poté quoi, bien après. Eh bien, directeur là, il reste toujours là, directeur CHU là, toujours là. Ben, rassuré, si c'était en France, ça t'est fait, il y a déjà, mais qui est-ce? Si c'était en France, ça y fait au CHU là, t'es arrivé, ni directeur là, ni directeur là, RS, et peut-être d'autres monde pas t'es en poste encore aujourd'hui là. Mais comme c'est dans la colonie de Guadeloupe, et qu'elles vont à l'hôpital de campagne, nous peut vivre, nous peut survivre, elles veulent un taux de chlordécone de 200 microgrammes à 1 kilopole, nous peut vivre et nous peut survivre, ben voilà. On peut rappeler qu'en France, la limite maximale, c'est 10 microgrammes. Hein. Léon pour arriver à plus de 10 microgrammes, il n'y a pas brûlé pour là, et mon n'y a pas ôté là, il n'y a pas mis à rien. Hein. Mais en Guadeloupe, à 200 microgrammes, mais non, quoi qu'on dit là, c'est immédiat. C'est ça qu'il n'y a pas fait nous. Alors c'est pour montrer, et ce n'est pas qu'on y a dit, hein, ce n'est pas une insulte aux Guadeloupéens, ce n'est pas un manque de respect aux Guadeloupéens. Hein. C'est un assassinat des Guadeloupéens, un assassinat réglementé et volontaire des Guadeloupéens pour faire nous disparaître. Dernière question, Marie-France, avant la pause publicité. Alors, je reviens sur la Sarah, en fait. Vous aviez dénoncé récemment le fait que, elle importait des produits pétroliers, mais de la Caraïbe et non pas des États-Unis. Donc, le prix ne devrait pas être celui qu'il est là. Est-ce que vous confirmez ça? Parce que la Sarah a démenti formellement. Ah non, la Sarah a essayé de dire dans ses propos que la proportion là que nous t'es dit là, c'est pas tout ça. T'as dit que c'est pas 50%. Voilà, ils reconnaissent, enfin, en 2009-2010, jusqu'à qu'on y est là, la Sarah t'a dit non, tout produit a été sorti d'Europe du Nord. Et donc, ils ont appliqué nous les coûts de transport et les coûts de transformation des carburants d'Europe du Nord. Et effectivement, là, nous faisons une dernière interpellation là. Il dit, en fin de compte, que sa proportion là, nous a dit qu'il a pris un carib là, ça n'a pas représenté tout ça. Donc, en fin de compte, de façon indirect, il reconnaît que quelqu'un prend, mais effectivement, il n'y a pas prend et carburant au Venezuela, à Curaçao et à Trinidad et Tobago, qu'il n'y a pas acheté à des prix très, très, très bas et il n'y a pas revendu au prix d'importation d'Europe du Nord. Et encore rappeler, personnellement, entraper des discussions avec des mouns à gouvernement vénézuélien, et personnellement, à visiter en raffinerie à Trinidad et Tobago, les ingénieurs ont dit nous, cette histoire de normes européennes, ça n'a pas ni bon sens. Yo capable de faire carburant à n'importe qui nomme, depuis où dit yo, qui carburant on veut, qui j'en veux, qui couleur on veut, même s'il y a sentiment tolant, qui j'en veux, yo capable de faire. Donc en final de compte, là encore, nous avons volonté de mettre nous dans situation là ça. Et pas oublier, ça j'ai goûté qu'a dit, et qu'a rappelé à Dan Livay, qu'a pas été qu'à comprendre en qui j'en, en entreprise privée, pénit, on rentre annuel garantie dès le départ. Donc, en fin de compte, il n'y a pas fait prix à carburant là fluctuer tous les mois, simplement pour nous, enfin, l'illusion que prix là va monter et descendre suivant le cours du dollar, suivant la parité de l'euro-dollar, le prix du baril, mais c'est une vaste blague. Dès le 1er janvier, la Sarah savent combien l'argent qui a été gagné. Donc, le jeu, c'est de faire prix la montée et descendre de façon à ce que marge là, qu'elle a dit, qu'elle a le 1er janvier, qu'elle touche réellement le 31 décembre.
13h, on prend la page pub pour l'instant. On retrouve Edith Domouta, deuxième partie de cet entretien. A tout de suite vers 13h06. Avec moi. Voilà, retour sur le plateau du ZCL. Il est 13h07. Je vous rappelle qu'on reçoit Edith Domouta, le secrétaire général de l'UGTG. Dans un instant, nous allons recevoir Raymond Gamma. C'est un hasard, il est parti pour y voir d'être ensemble. Mais enfin, c'est un hasard qui fait ça pour parler de son ouvrage qui vient de sortir. Pour l'instant, nous sommes avec Marie-France Gougeot-Etna et on continue l'interrogatoire au précis d'Edith Domouta. On va parler de politique. Alors, première question, Edith Domouta, nous sommes en 2008, il y a deux ans maintenant, ouais, en 33 ans, que le gouvernement guadeloupéen, entre guillemets, la région a changé de président, c'était changé d'avenir. Est-ce qu'on ressentit changement d'avenir là? Bon, vous savez, on a fait partie des Monica pensées que changer les hommes ne peut changer rien. Hein. Pourquoi changer? Bon, on va revenir en période avant l'Irel. Moi, Michou, t'es lui au la main. Et deux ans plus tard, il était balé. L'Irel était élu au la main. Et deux ans plus tard, il balé. Donc là encore, Charlus est élu au la main. Et dans des ans, il est certainement, enfin, dans un mandat ou deux mandats, il est subi même ça. Là, on avait dit que. Et pas, pas parce qu'il n'y a pas de bonne volonté, très certainement. Hein. Mais ce n'est pas les hommes qu'il faut changer, ce système-là. Nous avons un système, je dis là, ça très clair. Et quand tu as dit qu'il est là, il n'y a pas de vocation. À développer pays là pour Monica reste en pays là ça. Et ni vocation à développer la Guadeloupe dans l'intérêt de la France et pour la France et non pas pour nous. Donc aujourd'hui là, chaque élu qui est en Guadeloupe aujourd'hui là, celle qui a quoi préparer, c'est préparer les prochaines élections. Donc la bataille là, j'ai commencé aux Abîmes. C'est commune qui a le plus d'électeurs. Et bataille là qui concernait également l'ensemble des communes de Guadeloupe, puisque Socra Comina, c'est qui baillent l'idée en les prochains présidents du conseil régional. Donc, aujourd'hui là, tout le monde a porté mon œuvre pour en jalant qui j'en qui fait m'en rester. Et tous les problèmes qui étaient là du temps à l'Irel, ils sont toujours présents du temps à Chalus et ils sont présents également après Chalus. Donc, c'est pour ça que la réflexion que nous y a mené, c'est qui politique pour nous réellement prendre en main destinée à nous. Alors, en vrai également, ces derniers temps, on a commencé à parler, de l'autonomie. En fin de compte, la France pas contre l'autonomie, la France pour l'autonomie. Parce que c'est ça qu'ils ont demandé la France de mettre en place dans le cadre de la régionalisation des institutions. La France, c'était le dernier pays de l'Union européenne, enfin des grands pays de l'Union européenne qui partaient qu'au régionaliser et mettaient des régions autonomes. Quand les Länder en Allemagne, quand les provinces en Espagne ou bien en Italie ou bien au Portugal. Donc en final de compte, la loi Nôtre, qu'a y fait? La loi Nôtre, je dis là, fait des grandes régions et à terme, c'est des régions qui sont venues un peu comme la Catalogne ou bien comme d'autres régions en Espagne, des régions autonomes ou semi-autonomes. Donc nous ne pouvons pas contenter nous de ça, je dis là, demander application à ça, l'Europe qui a demandé la France de mettre en place. Donc c'est pour ça que encore toujours revient à résolution à dernier congrès à l'UGT, mettre en place une véritable politique de décolonisation et de prise en main à destin à nous à tous les niveaux. C'est ça qu'il faut pour nous, je dis là, si nous verrons ici diviner à Timon. Alors Adam Mbalan, avant de passer la parole à Marie-France, là on regarde physionomie même à le mouvement indépendantiste guadeloupéen, il perd dans le force depuis quelques années, malgré c'était 50e anniversaire en 1967, moun semblait, moun discuté, mais globalement, moun ka posé question, est-ce que les Guadeloupéens veulent réellement changer ou bien est-ce que c'est les indépendantistes qui n'ont pas fait ça qu'il faut? Non, vous savez, la vie c'est pas une photo, la vie c'est un film. Donc on y a des moments hauts, des moments bas, mais c'est un film. Et film là, ça, c'est film à la vie, c'est film à l'histoire. Et que je dis là, on va penser que le constat l'a fait dans tous les milieux. Tini, normalement, selon nous, en réaffirmation du droit des peuples à disposer de eux-mêmes. Vous savez, si la Terre, on est grosso modo 184 pays qui ont siégé à l'ONU, et on est peut-être une douzaine ou une quinzaine de pays qui ont la domination. Le rôle de. Enfin, État en être humain, ce n'est pas d'être en bas de domination en autre. Mais c'est de vivre en harmonie avec les autres. Okay. Donc, je dis là, nous ne pouvons pas considérer que la Guadeloupe est un pays, que nous n'y avons un peuple, nous n'y avons une histoire,
et que nous devons être nous aussi, à travers différence en nous et diversité en nous, pédis à nous voulons. Il y a mon pipiti qui nous a décidé de nous-mêmes. Donc, ça te veut dire que nous faisons partie des peuples des plus incapables qui sont la terre, qui ne peuvent pas prendre responsabilité à eux. Non, c'est faux. Archi faux. D'ailleurs, nous avons fait ça remarquer l'autre jour, quand il s'agit de jouer un ball, de jouer au football, ou bien de faire tout calte sport, judo et qu'on sort, comme par hasard, nous bon. Mais quand il s'agit de décider, de coordonner, de faire de ceci, comme par hasard, nous pas bon, en noirité. Donc, à un certain moment, moment-là, pourquoi arriver? Certainement, ce moment-là, ça n'y a nourri par la formation, par l'information, etc. Mais à un certain moment, Guadeloupéen qui prend divini à yon, mais donc on met en nous pas ça, mais nous, nous quoi porter contribution en nous pour ça fait un jour. Et il faut bien reconnaître que le changement quand même est long à venir et ça implique aussi peut-être que certaines personnes sont en train de se convaincre qu'il ne viendra jamais. Qu'est-ce que vous allez leur répondre? Non, vous savez, le premier esclave l'a échappé, là, il est tué, hein? Il n'a pas voulu l'abolition de l'esclavage, hein? Et peut-être ni ça aussi qui pensait que l'abolition pays vient, donc il a dit qu'il aurait été esclave et tout. Et donc, tout combat qu'on a mené, ou pas qu'on a mené combat pour payer vrai, ou qu'on a mené combat pour que l'idée là, vrai jour en jour. Donc c'est pour ça que l'un nous a parlé, nous, au niveau du GTG, nous a parlé de la pleine souveraineté et l'indépendance nationale, combat en nous par rapport au combat pour nous voir l'indépendance. Parce que ça qui est arrivé, c'est qu'à fur et à mesure qu'on a vieilli, ou que penser que ça n'est pas possible, donc on peut dire, ben ouais, ça n'est pas possible, nous arrêter. Non. On peut porter contribution à nous, le moment venu, on peut transmettre le flambeau, et dans X l'année, il est fait, il est arrivé. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Et ça qui est arrivé un jour, quand tout peuple si la terre a trouvé émancipation à yon, nous avons trouvé émancipation à nous, les nous préparer. Alors, sur le plan politique en France, ni Macron, enfin, nous ne pouvons pas parler des jours de là, mais il faut garder en mesure, c'est que l'Écosse est sortie justement passer en stade supérieur, puisque le principal président à la nouvelle assemblée Corsa sont indépendantistes. Il n'a pas dit qu'il est pour l'autonomie, mais il a dit qu'il est pour l'indépendance. Alors, qui j'en zote à l'UGTG, j'en ai analysé le fait que des gens qui vivent tout près de la France, qui sont français, qui sont blancs France et qui corse, et ils veulent changer pays à eux, changer relation à eux avec l'État français, qu'en Guadeloupe, nous, à ce stade-là, tout ça toujours. Non, vous savez, nous pas cap. Copier. Nous pas copier, nous pas comparer non plus. Mais c'est le bitin, nous a dit, pour tout le monde qui est remarqué, ça a sorti dit là, la Catalogne qui collait en disant à l'Espagne commander l'indépendance, la Corse qui a quelques kilomètres de Marseille commander l'indépendance. Donc nous, sans copier, sans comparer, nous qui a 8000 kilomètres, d'accord, et qui fondamentalement n'y a une histoire différente, qui n'y a une culture différente, qui n'y a un champ de vivre qui différent, nous doit être poser nous des questions. Donc pour moi, ça, il faut faire là, c'est développer l'esprit critique en nous et en nous garder la réalité en face. Depuis 1635, l'arrivée des premiers colons, en quoi vit en nous améliorer? Depuis l'abolition de l'esclavage ou la démantelisation en 1946, en quoi la citoyenneté française fait nous accéder à de meilleures conditions de vie? Non, en rien. Et dernier bitin que nous n'y a fait, très certainement, il faudrait un de ces jours-là que si nous avons l'argent, il fait des petits balades d'études dans la Caraïbe. Aller à Barbade, aller dans d'autres pays à la Caraïbe pour nous prévoir en qui genre des pays qui indépendants ou bien qui a dans des statuts particuliers qui a réussi à administrer via eux-mêmes et porter manœuvre eux-mêmes. Et ça, c'est un cheminement qu'il faut. Ça, faut dire aussi qu'il faut apprendre nous à être des êtres dociles. Il ne faut pas nous oublier qu'à l'abolition de l'esclavage en 1848, plus de 80 à 90% des esclaves, c'était des gens nés esclaves. Et que c'est ça les colons ont fait comme choix. Ils ont fait le choix de créer des êtres soumis depuis la naissance, qu'ils ont été baptisés et qu'ils ont été mettre à une certaine docilité. Et pour moi, je dis là, jusqu'à ce qu'on est là, nous atteint de son cas créer le syndrome de la franchise. Nègman, là, lui, il a échappé. Affranchi là, même si vous ouvrez porte là, il a resté marré en pied à mettre là, puisqu'il a pensé par le maître, il a vivre par le maître, et il a pensé qu'il ne peut pas vivre sans le maître, et il a toujours attendu que le maître là dit qu'il a pris boire, qu'il a pris manger, qu'il a pris faire. Et tout combat là, nous n'y a mené là, c'est sortir du stade de l'affranchi et accéder au stade de Nègman. L'avant-dernière question, Marie-France. Non, simplement pour rebondir sur la Caraïbe, je pense que vous aviez une idée, vous aviez expliqué qu'en fait l'idéal ce serait d'avoir une grande université caribéenne avec dans chaque pays une spécialisation.
Oui, disons justement. À terme, mais envie de dire, ça ne peut faire qu'elle est unie des interlocuteurs et qu'à parler à des interlocuteurs du même niveau de décision. Je dis là, même si la Guadeloupe a participé à certaines réunions au niveau à la Caraïbe, mais nous pas ni le même niveau de décision. On peut pas qu'aille discuter avec des monde qui a décidé un pays à yo, alors qu'on y a un mandat du ministère de l'Intérieur ou du ministère des Affaires étrangères. C'est pas ça, ça pas. Moi personnellement, pas parler avec eux. Pas vrai. On va faire du en son pays à la Caraïbe, ou pas venir, ou pas dire, on va parler au nom de l'État français, on va parler avec eux, puisqu'on va parler au nom de la Guadeloupe. Pas vrai. Donc c'est pour ça, à certains moments, nous Guadeloupéens, nous qui n'y avons toutes ces bitins là ça, et a grandi, pas vrai, et a grandi. Et ça. Dans 50 ans, dans 100 ans ou dans 150 ans, nous pas savons personnellement pas vous même en prévoyez, en pas vous même pour y faire. Oui, qui fait. Alors, sans que m'en dire avant nous quitter nous, c'est premièrement, fait nos derniers petits points à ce qu'on a fait qui a traîné depuis longtemps, nous avons abordé, c'est l'affaire de Jaham, et puis vu au peuple Guadeloupe. Alors, l'affaire là toujours en suspens, hein. Toujours ni des audiences qui est prévue très très prochainement aussi, parce que y a toujours envie fouer mes poches à les camarades. Mais parce que étonnement si ça y a fait justement pour laisser le soin ça y fait continuer fait, parce que font un problème là, c'est qui bitain font un problème là, et en tout cas parler de ça t'aller là, c'est ou peut pas venir propriétaire du bien d'autrui par le crime et par la violence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les premiers colons débarqués ici dans 1635, ils ont trouvé des mondes qui ont été ici dans les Kalinago. Et après, ils ont mis Kalinago en esclavage, ils ont massacré Kalinago, ils ont déporté Kalinago, ils ont mis Kalinago dans les réserves. Et après, ils ont cherché des Africains qui ont déporté, qui ont mis en esclavage. Et que je dis là, nous sommes descendants à les Kalinago et à les Africains qui ont déporté, qui ont mis en esclavage. Nous sommes des héritiers à tous ces mondes. Donc, en tant qu'héritier à ces mondes-là, nous devons être dit à l'État français qu'on ne peut pas déclarer que la Guadeloupe, c'est une terre française, parce qu'on ne peut pas venir prendre souveraineté en peuple et on ne peut pas venir prendre bien au monde par la force. C'est le droit international. C'est ça toute religion qui a dit. C'est le droit français qui a dit ça. Donc, je dis là, la Guadeloupe, c'est une terre occupée par l'État français, mais ce n'est pas une terre française. La France, c'est une terre française. C'est qu'on se dirait, nous, je dis là, nous, Guadeloupéens, nous n'y avons l'armée, nous n'y avons la bombe nucléaire, nous avons débarqué à Sion, l'île est en Caraïbes, là, nous avons massacré tout le monde et nous avons mis le drapeau en nous. Ouais. C'est ça la France fait ici, là. Alors, pour mon pays, il dit, ouais, mais Doumouta, ça fait longtemps, nous ne parlons pas de ça encore. Non. Mais si nous ne parlons pas de ça, en nous laisser Daesh faire ça, il veut, avec dans 300 ans, nous dit, ben voilà, c'est fini. Donc, en nous mettre nous bien, c'est pour ça que nous avons dit, la Guadeloupe n'est pas une terre française, la Guadeloupe est une terre occupée par la France. Et nous, ni un moment ou un autre, à discuter vers la France le processus de décolonisation qui a été mis en place en pays là. Ça. Et ça a passé par la remise en état. Toutes les terres qu'ils ont pris, qu'ils ont volé, qu'ils ont pillé, qu'ils ont assassiné, qu'ils ont pris, qu'ils ont parlé de la redistribution de ces terres-là, dans ça nous a crié de la remise en état. Et que vous remarquez, on n'a pas dit réparation. Hein. Oui, non, okay. La réparation suppose que voler là, regarder bien là, et qu'il y a une monnaie en compensation. La remise en état qu'a dit restitution des biens volés et indemnisation parce qu'elle vous utilise et vous fait profit en l'air. Et que colonisation n'a qu'à permettre qui vit, et toujours permettre jusqu'à la journée d'aujourd'hui que le colonisateur a bénéficié du crime. Et les Macron l'autre jour passé au Burkina Faso et Macron dit qu'on s'est battu là et qu'il n'a pas participé, il n'a là en ouvrant la vie différemment. Sans qu'à répondre à Macron, ou ni raison, ou pas responsable ou pas coupable, mais ou héritier du crime, ou héritier du bénéfice du crime. Donc si vous acceptez bénéfice à crime là, il faut que vous acceptez remise en état là, et que vous acceptez responsabilité criminelle là. Donc c'est même bien nous qu'a dit ici non. Dernier mot, c'est que pour feu, tout le monde nous a invité les premiers jours à janvier pour commander. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le peuple Guadeloupe? Ben, combat, santé. Santé, parce que tout bitin, nous pas ni de l'eau, nous pas ni de transport, nous pas ni de travail, c'est l'hôpital, nous pas ni, donc nous mal barrés même, nous mal barrés. Donc santé, fais attention à ça, nous quoi boire, ça, nous quoi manger, pour nous périter Gaïa.
et continuer à nourrir l'esprit en nous, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de cascade. Donc, santé pour Gaïa, pour l'été, pour nos cascades. Merci, Ilomota, 13h22, les brèves avec Keïsa. Les urgences ont accueilli 11 500 cas de grippe lors de la dernière semaine du mois de décembre. Toute la France était touchée. Au total, 31 morts depuis le 1er novembre parmi ces cas graves de grippe admis en réanimation. Depuis 3 semaines, 704 000 personnes se seraient rendues chez un médecin en suspectant une grippe. L'épidémie hivernale de grippe continue sa progression partout en France, en gardant une intensité modérée. En ce qui concerne les Antilles, l'épidémie se propage progressivement chez nous également. Et on continue avec la neige en Floride. Et oui, il neige en Floride depuis ce mercredi 3 janvier, du jamais vu. Depuis 29 ans, la tempête a déjà conduit à la fermeture de routes dans le nord de la Floride et le sud-est de la Géorgie, où le gouverneur Nathan Deal a déclaré l'état d'urgence dans la zone côtière. Des images inédites pour des habitants du nord de Floride. Ils n'avaient pas vu de neige, qui n'avaient pas vu de neige depuis près de 3 décennies. So much snow. Du Conseil régional, un mouvement mené par le président Harry Chalus. À cet effet, il s'est donc rendu ce matin au parking du Vélodrome de Bemao afin de faire le point sur la route nationale 2 entre Beausoleil et Rouge. Rappelons que la RN2 est un axe routier majeur qui dessert les communes du Nord Basse-Terre. C'est en raison notamment de la densité des activités économiques de la zone, à savoir exploitation agricole, pôle économique et autres, que cet axe est régulièrement saturé et compte un nombre trop important d'accidents. Les images de Charlie Dagonia. C'est un gros chantier qui se fera à plusieurs étapes. Donc ici, entre Vonch et Beausoleil, nous avons le président Chalus qui est présent ce matin, a bien donné aux entreprises le signal de départ. Donc il faut commencer. Sur le plan administratif, tout est OK. Sur le plan financier, tout est OK. L'objectif, c'est de maintenir toujours ouverte les deux voies de circulation, une dans chaque sens. Il va falloir évidemment gérer la proximité entre la zone de travaux et la partie qui est circulée aujourd'hui. Donc ça, c'est une des difficultés. Une autre difficulté importante à gérer pendant les chantiers, c'est la coordination entre les différents intervenants. Coordination entre les travaux, les entreprises de travaux, les occupants du domaine public, les réseaux. Tout ce travail-là se fait de manière parallèle et coordonnée. Ce qui a été prévu pour régler la question de la circulation des eaux, de l'écoulement des eaux, c'est un redimensionnement complet de tout le réseau d'assainissement pluvial, notamment avec une augmentation très importante de la capacité des ouvrages qui traversent la route nationale entre Beausoleil et Fontbudant. C'est déjà désenclaver notre réseau routier. C'est une importance capitale pour l'économie du pays. Nous voyons l'embouteillage qu'il y a. Il y a eu beaucoup d'annonces à l'époque. Aujourd'hui, c'est du concret. Nous sommes venus sur le terrain, que ce soit à Vonch-Brifort-Lamantin. Nous avons été aussi à La Jarrie et aussi à Jarrie au boulevard de Jarrie, suite à une pétition qui existe depuis quelque temps de la part des chefs d'entreprise. Et nous voulons aujourd'hui vraiment démarrer les travaux. Alors, il faut savoir qu'au mois de janvier, tous ces travaux vont démarrer dans l'intérêt de notre population. On a besoin de donner vraiment du travail aux entreprises qui souffrent énormément ici. Je pense que sur un projet, il peut avoir des petits problèmes à régler, mais ça n'empêche pas de commencer le chantier où il n'y a pas de problème. Et c'est ça que je veux, qu'on puisse régler les autres petits problèmes entre-temps, et ils ont compris cela.
Aujourd'hui, comme je l'ai dit, en 2018, je ne suis pas là pour dormir. Nous sommes là pour travailler, pour lancer des gros chantiers en Guadeloupe, notamment le giratoire de Routard, la deux fois deux voies Bémao-Lamantin, des travaux sur le Moule, sur Mornalo, le pont de Dongo, le pont de Bananier aussi, qui mérite d'être refait où il y a beaucoup d'accidents. Ici, cette voie de Jarry qui est la voie, l'artère principale de cette zone industrielle et commerciale, il y a des choses à faire, il faut qu'on y aille. Nous aurons à présenter tous ces projets lors des vœux au monde économique et aux forces vives au début du mois de février. Et comme je le dis, je ne suis pas là pour dire il y a qu'à, il faut maintenant qu'on aille, il faut qu'on fonctionne, il faut qu'on travaille. Voilà, 13h27 dans le ZCL, on va recevoir tout à l'heure Elisabeth Adéaï qui nous parlera de la Guyane. Mais avant, je voulais dire, on reçoit aussi Raymond Gama. Raymond Gama, c'est l'auteur de ce livre, il est lourd, 416 pages, Évolution du grand domaine sucré, d'un grand domaine sucré dans la Caraïbe, 18e ou 20e siècle. Raymond Gama, bonjour. Bien, bonjour. Pourquoi on écrit bien ça? Alors, il ne faut pas en dire aux spectateurs, aux auditeurs qui écoutent nous, que on travaille de thèse qui a commencé dans les années 90. Bien sûr. Si on région qu'on connaît bien. Bien sûr. Oui, ouais. Et réellement, là, on peut voir ça, véritablement, on peut dire en créole, bon, ça, qu'on décatie tout bien là, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on partit après Sikonigo, le document qui était. Vol au vent, oh, et fait, vous alors, absolument. Pour qui on fait travailler là ça? Moi, je te connais moi. Ouais. Et moi, je te connais moi à travers au Sanouillet. Ouais. Puisqu'en son petit municipal, en son petit mon Rambouillette, en son petit mon Pauluy, en son petit mon Nord-Anté, en son petit mon pays Guadeloupe, en son petit mon à la Caraïbe, en bien comprendre, Kassaye. Donc, fonté pour un temps, fonté pour un campo, et regardez, qu'à. Au là les racines plantées et à donc habiter lui et ce travail là ça permet moi de faire ça mais alors c'est toujours comme ça moi à considérer la vie c'est à dire là on voit ni on désordre derrière ni on l'ordre c'est à dire que par exemple cyclone à septembre 89 il branlait toute la Guadeloupe mais singulièrement pour lui Moule Petit Canal et particulièrement Beauport. Et là on trouvait moi qu'à marcher ces documents. Qui a marché ses papiers. Des documents qui étaient là avant ça, mais, vol. Oui, non, documents qui étaient classés, qui étaient ordonnés, qui étaient dans des salles. Ouais. Mais Hugo ne tient compte de ça. Hugo ouais. Ouvrait toute qualité de bureau qui n'y foutait tout à terre. Ouais. Et là, il est rentré dans des bidons, il a marché. Et c'est comme ça, en tout cas, marché sur un papier, en cas baissé, il a pissé à rat, etc. Ravette, en cas, ouais, affaire Caraïbes. Adam, on chemise, on dossier. Alors, t'es surpris. Parce qu'Adam, il y a un colon. Et on connaît quelqu'un qui est un colon. Adam, pays à nous. Et on a fait affaire Caraïbes. Et dans le dossier, c'est ça. On a découvert affaire Moroc. Enfin, bref, on série problème. C'est qu'on s'en tombe dans ça. Et à partir de là, où t'es étudiant à l'époque là, ça? Ah non, 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 non. On a déjà fini étude, on a été enseignant. On a été enseignant, mais. Bon, tu fais tes ça. Non, en poté qu'on fait tes amours. C'est-à-dire que moi, c'est quand même en Guadeloupéen qui fait des études d'histoire oui. Jusqu'à DEA à la fin des années 70. Oui. Et l'idée, moi, c'était fondaise. Mais en pas de cas, couplé vie universitaire en moins, en pas de cas, casser ça, si vous voulez, il y avait vie civile et vie normale en moins. C'est-à-dire, bah, en fait, si moun, en cas travail, moi, nourrir famille en moins, etc. Et en qui fait thèse là, en ballant là. Et c'est comme ça, l'un décidé en 90 ça fait ça. Tenez plusieurs raisons. Après qui événement naturel à Hugo qui fait en fait cela, ni aussi débâcle à mouvement patriotique là. Ouais. Parce qu'en mars 1990, c'est le troisième congrès du PLG. Ouais. Et c'est là qu'a signé, dirigeant moins qui était respecté, qu'a signé ça, la démission en quelque sorte. Un mouvement qui, moi, déjà nourrit un peu espoir d'ailleurs. Alors là, on était ébranlé, d'autant plus qu'il a été accusé personnellement à nos documents à l'organisation de ça. Alors, on tournait d'ailleurs, où là, on était dénoncé pour le monde, nommé pour le monde, en posant moi une question sur moi-même. Et là, on retournait, le premier côté, on était travaillé en vie en moi, c'était à Beauport. Le premier côté, on était découvert papa en travail, c'était à Beauport. Premier content de découvrir maman à travail, c'était à Beauport. Alors on retourne à Beauport, regardez, qu'est-ce qui a passé? Et comment fait vie en pénis en telle dimension?
Et c'est comme ça, travail à Tesla, il finit, mais il a déjà commencé. Ouais. Alors, il a déjà commencé en tant que monde qui a réfléchi sur l'histoire depuis la fin des années 70. Parce que pour dire réflexion sur l'histoire en Guadeloupe, que moi contribuer avec d'autres mondes amenés, il souchait à un mouvement populaire qui souquait la Guadeloupe dans les années 70, 71, avec l'ITA, l'IPG. Et avec le GTG, c'est mouvement-là, ça, qui a mené une nouvelle réflexion à six questions à l'histoire. Parce que jusque-là, dernier pendant la réflexion qui était menée sur l'histoire, qui a daté du mouvement communiste, c'est-à-dire des années 43-44, où là, des étudiants à la GEC commençaient à réfléchir si la personnalité guadeloupéenne, si on s'étend des questions comme ça, et ça baille la société d'histoire de la Guadeloupe, avec les Bangou, avec les Adélaïdes. Mais seulement les années 60 et 60, 50 et 50, t'es encrassé aussi tout ça, dans l'électoralisme, etc. Et les mouvements nouveaux à 71, avec l'ITA, l'UPG, l'UGTG, qui a proposé un autre regard, y compris c'est l'histoire, et c'est comme ça, moi, c'est Timoun en tel mouvement, au niveau réflexion. Nous, quand on vient à cette table, nous, quand on prend le publicitaire, nous, quand on vient à ce décatement livre-là, parce que nous avons l'objet intéressant pour dire à ça, puisque nous, quand on parle de la Caraïbe, nous, parlons de la Guyane, et à ça, enfin, pour les gens qui pourraient connaître, qui pourraient savoir, encore on dit, livre là a sorti, évolution d'un grand domaine sucrier dans la Caraïbe, 18e ou 20e siècle, et il y a une autre explication que moi-même, on va quand même douter quand on est tout là dans ça, quand on considère qu'on peut aller dire ça. À tout à l'heure, la pause de pub, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà, il est 13h38, on continue avec Raymond Gama. Je vous rappelle donc la sortie de cet ouvrage, évolution d'un grand domaine sucrier dans la Caraïbe, la région de Beauport. Raymond Gama, là, au cas des livres, là, on part à prendre un petit point, qui genre paysage industriel l'a taillé, et qui genre pays là, pour ouvrir petit à petit, genre Guadeloupe, petit à petit, vous faites toutes tes cailloux de pénis. Ah non, premier bit on va apprendre, c'est qui Jean a dépossédé les premiers noms qui habitaient la Guadeloupe, c'est les Kalina. Tout à fait. Et histoire région d'Orientaine, ça des particuliers, en tous les cas. Que moi, pas ça, hein, aspect-là, ça. Non, l'homme monde pas ça. Mais peuple nous savent ça. Non, mais Rola nous savent ça. Ah bon? Mais nous pas ignorants, ça nous y est. Moun pas ça. Ah ben oui, non, mais nous, moun pour lui, Lance Bertrand, canal, nous savait que nous n'y gagnons dans nous. Ah non, ça nous connaît ça. À part un mythe. Ouais. Et on rend ça au niveau du mythe pour nous effacer. Alors, ça. Vous pouvez parler en côté des terres aux Caraïbes. Mais bien évidemment. Mais assis les cartes officielles marquées, territoire Caraïbes, toujours. Ça marquait toujours. Assis au cas pour une carte IGN, dans Prêt à la Grande Vigie, marqué territoire Caraïbes. D'accord. Ça. Mais seulement, ça qui passait, nous avons laminé les droits acquis par les populations au fur et à mesure. Ça a passé subtilement. Tranquillement, même si pendant une période, situation là, ça était quand même assez violent. Il était violent. Ouais. Et c'est ça qu'on a étudié. Et ça, on mettait en exergue la question à l'Ekalina pour la question de la terre, justement. Et qu'on a dit des hommes qui n'ont que leur force de travail, c'est-à-dire en fin de compte, Blanca vient ici dans le colon, Blanca vient ici, qui apparaît là, il a décidé les propriétaires, il a décidé quel système de mutation de propriété qui n'y, il a décidé en tout point qui gens occupaient là, et quel système vous-même pour manger, ouais, eh bien, auquel dépendait. Ça, c'est un système de domination coloniale. Alors, en cas arrêté au bon point, on extrait particulier, oui. L'initiative de Adélaïde Deschamps. Non, c'est son, oui, nom. Oui, c'est son oui. Prénom, Adélaïde oui, Deschamps. Oui, oui, il est vrai oui. Que cette commune propriété Kalina était déjà bien inscrite dans les procédures occidentales habituelles. Oui. Explication. Oui, ça veut dire, Manzé Adélaïde Deschamps, son femme, on a découvert par hasard, où ça fournit une chance, là, on a fait recherche, et l'un trouvé document là, ça, document à les affaires Caraïbes après cyclone là, à part imaginer la satémen et moi. Et c'est pas hasard, on voit l'un comprendre qu'ils font retourner, parce que le document là qui a parlé là, qui a daté de juillet 1942, oui. C'est un document qu'a trouvé qui a mené au tribunal des mounes descendants Caraïbes en 1942. La printe, au tribunal, avait la SOB, c'est-à-dire Société à Blanc-Beauport. En cas, mais c'est bizarre, nous, en plein 20e siècle, comment on a trouvé affaire à Caraïbes et Blanc. Donc, font refait fil là,
à le passer, mais en passant pour l'engaille. Et c'est un fil en refait en trouvé à Adélaïde Deschamps en 1851. Et Madame Lassasson, Madame Lance Bertrand, qui caille moins en cas estimé historiquement qu'il basculait après l'abolition de l'esclavage à dans de la coutume Kalina au principe de transmission coloniale qui fondait si souvelé en acte notarié. C'est-à-dire, alors que à Kale Kalina, pas ni propriété privée, la terre qui appartient à tout le monde, pas ni propriété privée, mais là, vous voyez, il y a une abolition en 1848, ni yon a dan yon, et c'est en l'occurrence Adélaïde Deschamps qui dit, bon, on y un garçon, il matelot, c'est Étienne Campras Noir, garçon aïe, lui-même, il n'habite madame là, vive à dans la communauté caribe là, mais il dit, ni un problème, faut moins faire un lac pour moins assurer des saints à Timon en moins et à descendants à Timon en moins. Alors, hier, il a qu'on notait, et il dit, il a déclaré 30 hectares, qui a occupé, maman est occupé avant lui, il a occupé un bon habitant, depuis plus de 30 ans, il a déclaré propriétaire. Et au fond, un acte notarié, mis comme ça, conflit là, démarré. Non, 1851, 1852. Conflit là, démarré comme ça. Mais là, il a explosé, c'est en 1881. C'est en quarantaine d'années après, les restants de la communauté, là, notamment les Deschamps, enfin, nous, l'eau Deschamps, d'ailleurs, yo que on nous compte que mes beaux-parents ont avancé si propriétaire yo yo te connait yo près de 245 hectares yo ont avancé à butant à pistolette etc. Alors yo pas comprendre yo fait une pétition yo signé une pétition et yo a dit nous Caraïbes peuple indépendant depuis le 17e siècle nous passer à corps avec français et avec anglais yo te ca respecter nous à ce tel territoire en Orienté etc etc et qu'il passé depuis quelque temps yo pas respecter nous encore nous commander directeur de l'intérieur va intervenir c'est-à-dire yo adresser yo à moun qui a dirigé la Guadeloupe. Alors, voilà, oui. Ça c'est pétition à l'Écalina du 181. Alors, une petite fois avant, nous vous tenons deux ou trois questions à poser, vous manquez, Vinan, c'est ça. L'économie esclavagiste nous a laissé un héritage, une culture de la pluriactivité. Oui, ça veut dire, Kibitain, ça veut dire, en fait, on nomme en Guadeloupe, enfin, un être humain qui vit à ce territoire, nous, pas défini comme un homme de métier avant tout. Il a défini comme un monde qui a des capacités, qui peut faire. En capacité dominante en charpente, par exemple, mais il peut planter zium, il peut planter patate, parce qu'il faut y manger, etc. Il peut souffler ni d'autres activités, il peut faire de la pêche. La majorité des mouns qui a planté, qui a fait la pêche. Ou quoi, ouais, qu'a trouvé au pêcher, ou qu'a pris 6 cent, ou qu'a pris n'importe grande région en nous, mounaka. Yo kay cueilli, yo kay cultivé, yo nyonyonao, etc., etc. C'est ça la pluriactivité. On n'a pas défini qu'on fonctionnait ou alors qu'on agriculteur. Ou... Non, yo pas défini yo comme ça. Dernier aspect que vous avez aujourd'hui de la mer, que nous avons fait en deuxième émission, c'est ça. C'est savoir créer les sources orales. Alors oui. On voit aussi un paquet de monde. Oui, oui. Des certains qui j'aime, des syndicalistes, oui, des oui, comme ça. Absolument. Son travail d'enquête qu'on fait là. Mais tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que, bon, on a eu la chance de très proche à un certain nombre de responsables comme Maurice Effil, ses amis d'enfance en moi, nous pas rencontrés dans la lutte syndicale ou la lutte militante. C'était un ami d'enfance parce que, bon, on a eu de très bons rapports avec la famille Ayo, parce que moi, on a eu de gravant de boisson, papa était qu'à produit manger, nous avons eu l'échange. Il était qu'à manger à la case, d'ailleurs, sorti à Haut-Montagne pour aller à l'école des bidons là. Donc, nous te connaissons, nous. C'est un bon source de contact pour moi au niveau oral, c'est-à-dire il n'y a pas des sources écrites, il n'y a pas des sources en trouver à Bordeaux, il n'y a pas des sources en trouver à Paris ou à Goubet ou même à Beauport, mais c'est des sources à la vie qui moi en y a dans contact en y avec notamment avec papa Maurice, père Constant, père droite Constant, c'est un beau qui est mort pratiquement à 100 ans, il était capable d'expliquer moi d'habiter en 1900. Ça était extrêmement important. Bon, moi, avant naissance, même à la SOB. Donc, il était qu'à dès que moi, couler à des machines. Ils vont beaucoup, par exemple, Fernand Claire, en Martinique, qui a acheté Beauport entre 1900 et 1908. Ils vont beaucoup là. Ils vont me mener famille à traverser la région nord là, à dans des locomotives à plaisir couler. Ça, c'est ça les sources orales.
Et nous habitons, il fait moi connaître, oui. Qui, je de là, en le monde qui a promotionné, et notamment à travers la commune de Petit Canal, eh bien, c'est Paix Constant, droite, qui font savent qu'il a tenu un mouvement de grève très important et qui était fait l'homo en 1925 à Duval. C'est lui qui fait connaître ça. Et après, il a cherché un papier, il a trouvé. Alors, pour les gens qui ne savent pas, Raymond Gama, de 2002 à 2004, c'est pour ça invité. Il était auteur-animateur de l'émission télévisée Histoire Nous, ainsi que l'émission mensuelle L'Antoi Histoire Nous. C'était en temps La Une. Oui, c'est La Une, oui. En cas pour quelqu'un qui peut-être penser à refaire une émission aussi d'histoire, parce que quand on nous compte que l'histoire, nous, il n'est pas oublié. Non, ni matière, ni matière. Mais enfin, bon, on n'a pas envie de trouver, moi, si n'importe bitin non plus. Enfin, oui. Disons, n'importe qui condition non plus, on n'a pas qu'à accepter n'importe quelle condition pour travailler. Ça, pour être décatement. D'accord, oui, oui. Pour qu'une occasion pour parler. En tout cas, livre-là, évolution du grand domaine sucré dans la Caraïbe, du 8e au 20e, vous quoi signer bientôt? Mais bien sûr, Kenny, nous avons 4 rendez-vous déjà qui sont fixés. Oui. Le 17 à Rémy-Nesouta, oui. Le 19 à Sainte-Rose, oui. Le 24 à Port-Louis, au pays de Dakane, oui. Et le 24-26 à Trois-Rivières. Il y a signé à ces moments-là, ça. Il y a un signé. Carloman va accepter qu'elle nous va profiter pour ça. Ah, ben, bien évidemment, bien évidemment. C'est Tom de là. Oui, ça, c'est Tom de là. Tom de là. C'est page et Néon Tom du Deye. Oui, Tom de là, Deye, oui. Et que Néon Tom, toi, c'est le nom de Bastère. Merci, Raymond, d'être venu. On nous fait l'occasion, vous venez ça. Tout ce qui va basculer vers la Guyane. Bonjour, Elisabeth. Bonjour, Danick. La Guyane, alors. Cette semaine, passionnante déjà, je tiens à le dire quand même. Cette semaine, on va faire un petit séjour court sur la Guyane, ouais. Puisque la Guyane est une collectivité, je sais plus. Oui, c'est une collectivité aujourd'hui, ça a changé de statut, entre guillemets. Mais qui est surtout desservie de Pointe-à-Pitre vers Cayenne, ouais. Donc on a des vols tous les jours. Donc c'est aussi une opportunité d'aller visiter nos voisins guyanais. Voilà, alors qu'est-ce qu'on visite à la Guyane? Qu'est-ce qui est intéressant en Guyane? Alors en Guyane, bon, déjà quand on arrive à Cayenne, la ville est historique aussi, donc c'est vrai comme on ne peut pas comparer à Pointe-à-Pitre, mais il y a une place quand même qui rappelle la place des Palmiers. Et puis il y a aussi une histoire dans l'architecture, donc déjà c'est ça vaut le coup de voir Cayenne. Donc il faut quand même signaler qu'on est proche, enfin d'Amérique du Sud, donc proche aussi de l'Amazonie. Donc c'est 250 000 habitants, donc beaucoup moins que nous, mais oui. Sur une terre beaucoup plus grande. 90 000 km. Voilà, donc entre le Brésil et le Suriname. Donc c'est un dépaysement quand on y va, donc ça vaut le coup. Donc une fois qu'on est à Cayenne, qu'on a un petit peu visité, on peut, nous on vous prépare un petit séjour où vous pourrez visiter donc les essentiels. Donc on peut prendre la route et aller embarquer à bord d'un petit catamaran qui vous emmènera sur les îles du Salut. Donc trois îles, Île Royale, Île Saint-Joseph et l'île du Diable. C'est une ancienne prison d'ailleurs. Voilà, donc on peut visiter des bagnes. Pour ceux qui ont vu, enfin moi ça m'a rappelé en préparant la chronique le film Papillon, pour ceux qui l'ont vu, hein, c'est aussi, ça fait partie aussi de l'histoire, dans l'histoire de la France, mais voilà, l'histoire de la Guyane aussi, donc on peut visiter. Après, on peut aussi aller vers Kourou. Où là, il y a le centre spatial, qui est une performance européenne, donc proche aussi, donc on peut aller découvrir cet aspect-là. Et je l'ai dit, on peut aller aussi faire une balade en pirogue, une balade de 2 heures, où là, on est au plein cœur de l'Amazonie. C'est pour nous, Antillais, plutôt des paysans, je pense. Des paysans, même. Donc voilà, on peut aller du côté de Matoury, Roura. Donc là, c'est très ciblé autour de Cayenne. Mais c'était pour vous dire que rapidement, on peut aller faire sur très peu de jours. Combien de jours à peu près? Combien de jours? Là, sur 5-6 jours, peut découvrir. Et j'ai choisi de parler de la Guyane parce qu'il y a le carnaval. Bien donc sûr. Comme nous, ils vont commencer là, après l'épiphanie.
Et tous les week-ends, donc, il y a les fameux bals, hein, puisque le carnaval de Guyane est un petit peu différent de celui de la Guadeloupe, puisqu'il y a le bal des Touloulous. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà testé, vous avez apprécié. Non, je n'ai pas dansé, mais j'ai vu ce que c'était. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que c'est un bal qui a lieu tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs, où là, les rôles sont inversés. Il y a des Touloulous qui sont des femmes drapées, avec masquées du bout des doigts hein, jusqu'au bout des orteils. Ce sont même des hommes, quelquefois. Alors, il y a les Touloulous et les Tololos pour les hommes. Oui. En tout cas, les Touloulous femmes invitent les hommes qui sont en civil et elles ont le droit de tout. Donc voilà, il y en a que ça inspire pas mal. Et c'est un carnaval qui est quand même très, très apprécié et qui a une grande notoriété. Donc voilà, ça commence. Donc là, tous les week-ends, on peut effectivement en profiter. Et puis il y a le carnaval traditionnel qui se passe effectivement comme nous. Donc mardi gras, mercredi décembre. Donc c'était l'occasion pour moi de parler de ce pays qui n'est pas si loin que ça. Et qu'en fait, je me rends compte en tant qu'Antillais, quand on n'a pas de famille forcément là-bas, on ne pense pas y aller. Donc voilà, pourquoi pas profiter des vols avec Air France. Combien d'heures de vol ? Il y a une escale à Fort-de-France et ensuite c'est 2 heures de vol. Donc c'est vite fait, il y a un décalage horaire d'une heure. Ils sont une heure en avance sur nous par rapport à... Il faut être vacciné, je crois. Alors, il faut le vaccin contre la fièvre jaune, alors qui est maintenant permanent. Mais en tout cas, qui est nécessaire pour voyager. Si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas voyager. Et puis après, il faut, si vous allez en forêt, puisqu'on propose aussi des voyages un petit peu plus longs, où là, on peut aller en forêt. On peut même être hébergé sur des lodges qui sont sur le fleuve. Donc, c'est vrai que c'est complètement dépaysant. Et là, si on part pour ce genre d'aventure, bon, il faut être un petit peu équipé quand même, des chaussures de marche, tout ce qui va avec, mais en général, vous n'allez pas seul. Donc nous, on vous conseille aussi et on vous dit tout ce qu'il faut pour les équipements. Et pour ceux qui voudraient découvrir les bals, nous, on peut vous proposer le package avec le bal aussi, tout compris. Voilà. Donc l'hébergement, vous avez des hôtels 3, 4 étoiles. Vous avez l'hôtel Amazonia qui est très bien aussi. Voilà, donc on peut vous faire un petit package vite fait, découverte Cayenne. Et si vous voulez effectivement découvrir la Guyane un petit peu plus, on peut vous faire des choses sur des circuits un peu plus longs, jusqu'à 10 jours, 15 jours. Alors, le départ se fait comment? Alors, le départ, donc, il y a des vols tous les jours avec la compagnie Air France ou en codeshare avec Air Caraïbes, mais c'est du vol Air France. Donc, des fois, deux vols par jour. Et puis, nous, on vient vous chercher, on vous accompagne, voilà. Après, on peut aussi vous mettre à disposition un véhicule. Ça s'appelle un autotour, j'en avais parlé, où là, on vous fait des hébergements à chaque lieu. Donc là, j'ai parlé de Cayenne, mais ça peut être aussi pour aller découvrir Saint-Laurent, qui est un petit peu plus loin. On vous fait une location de voiture et vous allez découvrir tous ces paysages qui sont bien différents des nôtres et qui sont très particuliers et... je vous encourage à les découvrir. Voilà. Finalement, le téléphone, il faut le donner. Alors, toujours en agence de voyage, les 4 agences, Pointe-à-Pitre, Moule, Marie-Galante et Basse-Terre, Riverain Tour. Vous pouvez venir nous voir ou sur le Facebook, on fait nos offres. Et puis, je rappelle quand même qu'on a des départs imminents le 3 février avec le groupe 440. Et on va faire un groupe aussi, puisqu'on en parlait à thème sur le mois de décembre, mais ce sera sur le thème du carnaval avec Ronnie Théophile. Donc, je vous invite à venir nous voir dès maintenant. Voilà. Merci, Elisabeth. Si on a raté le début. Eh bien, le début, on peut nous retrouver sur le www.zcl.tv. Ou encore. Ou encore sur notre Facebook, Agence de Voyage Riverain Tour. Dernier mot, Wimou, Gama, où j'ai en Guyane. Si. Qui j'ai envoyé tout le pays là. J'avais plusieurs fois en Guyane, invité par des camarades, notamment au niveau à abolition de l'esclavage, au mois de juin. Et oui, son pays apprécie en l'eau. Mais ça, c'est surtout content, c'est qu'un TP passé de la Guyane au Brésil assez rapidement, qui en traversant le fleuve en trouvant au Brésil. Ça fait un plaisir en l'eau.
Ouais. En termes de environnement, là, ça, ouais. Vous gardez fort là, si vous voyez, vous comptez des calinas? Non, pas contre, malheureusement, des calinas, contre des marrons, enfin des bouchinengues, etc., des bonis, ouais. Mais pas contre des calinas, malheureusement. Mais en cas suivi aussi Internet, en cas suivi sur Internet, pour comprendre. Voilà. Il est 13h56, il lui a fait moins 5, il boot, oui, Anton, il boot. Nous gardons tout le monde, merci. Ouais. On se retrouve lundi, ce sera avec Jean. Jean Minouti, moi. Non, il n'est pas, il n'est pas. Ce soir, j'ai abattu de le dire, ce sera Jean qui sera à ma place ici pendant quelques jours. Et puis, le ZCL continue. Mais mon gars, ma mère aussi, je rappelle qu'on a reçu en début d'émission Élie de Mota. Si vous avez raté l'émission, vous pouvez retrouver l'intégralité sur www.zcl.tv. Et je rappelle la sortie de cet ouvrage, l'évolution d'un grand domaine sucré dans la Caraïbe. Rappelez les dates de conférence, Raymond. C'est les dates de présentation du ouvrage. C'est le 17 janvier oui. À Riminesota, à partir de 16h. Oui. Le 19 janvier à Sainte-Rose à partir de 19h, ouais. Le 24 janvier à partir de 16h au Pays de la Canne, ouais. Et le 26 janvier à partir de 19h à Trois-Rivières. Voilà, c'est dit. Merci, bon week-end à tous et à lundi.